Bonjour à tous, Othmane Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, machine à courant continu. Une machine électrique à courant continu est constituée d'un stator qui est à l'origine de la circulation d'un flux magnétique longitudinal fixe créé soit par des enroulements statoriques, bobinage, soit par des aimants permanents. Il est aussi appelé « inducteur » en référence au fonctionnement en génératrice de cette machine. D'un rotor bobiné relié à un collecteur rotatif inversant la polarité de chaque enroulement rotorique au moins une fois par tour de façon à faire circuler un flux magnétique transversal en quadrature avec le flux statorique. Les enroulements rotoriques sont aussi appelés enroulements d'induit, ou communément, induits, en référence au fonctionnement en génératrice de cette machine. Constitution et principe physique. Cependant, la machine à courant continu étant réversible et susceptible de se comporter soit en moteur, soit en générateur, dans les quatre cadrans du plan couple vitesse, la distinction moteur-générateur se fait communément par rapport à l'usage final de la machine. Inventé par Zenob Gramme et présenté à l'Académie des sciences, à Paris, en 1871, c'était au départ un simple générateur de courant continu, pour application galvanoplastique, par exemple, les accumulateurs étant onéreux. Machine à courant continu est une machine électrique. Il s'agit d'un convertisseur électromécanique permettant la conversion bidirectionnelle d'énergie entre une installation électrique parcourue par un courant continu et un dispositif mécanique, selon la source d'énergie. Machine de base ou machine à excitation indépendante. Animation de la machine à courant continu. Schéma de machine à courant continu vu en coupe latérale. La partie ronde en gris au centre est le rotor, qui tourne dans le sens anti-horaire. L'autre partie en gris constitue le stator. En fonctionnement moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. En fonctionnement générateur, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique, elle peut se comporter comme un frein. Dans ce cas, elle est aussi appelée dynamo. Le courant I. Injecté via les balais au collecteur, traverse un conducteur rotorique, une spire rotorique, et change de sens commutation, au droit des balais. Ceci permet de maintenir la magnétisation du rotor perpendiculaire à celle du stator. La disposition des balais sur la ligne neutre, c'est-à-dire la zone où la densité de flux est nulle, permet d'obtenir la force contre-électromotrice, FCEM, maximum. Cette ligne peut néanmoins se déplacer par la réaction magnétique d'induit, influence du flux rotorique sur le champ inducteur, selon que la machine travaille à forte ou à faible charge. Une surtension, due en partie à la mauvaise répartition de la tension entre lame du collecteur et en partie à l'inversion rapide du courant dans les sections de conducteur lors du passage de ces lames sous les balais, risque alors d'apparaître aux bornes de la spire qui commute et de provoquer la destruction progressive du collecteur. Pour pallier cela, c'est-à-dire compenser la réaction d'induit, et aussi améliorer la commutation, on utilise des pôles auxiliaires de compensation, commutation. L'existence du couple s'explique par l'interaction magnétique entre stator et rotor. Le champ statorique est pratiquement nul sur les conducteurs logés dans des encoches et n'agit donc pas sur eux. L'origine du couple reste la magnétisation transversale du rotor, inchangée au cours de sa rotation, rôle du collecteur. Un pôle statorique agit sur un pôle rotorique et le moteur tourne. Une manière classique mais simplificatrice de calculer le couple est de s'appuyer sur l'existence d'une force de Laplace, fictive créée par le champ statorique. En fonctionnement moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. En fonctionnement générateur, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique, elle peut se comporter comme un frein. Dans ce cas, elle est aussi appelée dynamo.
sur le schéma, et agissant sur les conducteurs rotoriques traversés par le courant d'intensité qui résulte de cette interaction est identique en module pour deux conducteurs rotoriques diamétralement opposés, mais comme ces courants sont en sens inverse grâce au système balai-collecteur, les forces sont aussi de sens opposés. La force ainsi créée est proportionnelle à le couple moteur-test donc lui aussi proportionnel à ces deux grandeurs. La tige conductrice traversée au rotor par le courant se déplace soumise au champ statorique. Elle est donc le siège d'une FCEM induite, loi de Lenz, proportionnelle à et à sa vitesse de déplacement, donc à la fréquence de rotation. L'ensemble de ces forces contre-électromotrices a pour conséquence l'apparition d'une FCEM globale. Aux bornes de l'enroulement rotorique qui est proportionnelle à S et à la vitesse de rotation du moteur. Pour permettre au courant de continuer à circuler, il faudra que l'alimentation électrique du moteur délivre une tension supérieure à la force contre-électromotrice induite au rotor. Schéma électrique idéalisé, en mode de fonctionnement moteur. Ce schéma rudimentaire n'est pas valable en régime transitoire. Sont respectivement les résistances du rotor, résistance de l'induit, et du stator, résistance du circuit d'excitation. Ce schéma correspond aux équations électriques suivantes. Au stator, loi d'Ohm, et le champ statorique vaut la moins exacte des formules de ce paragraphe, car on ne tient pas compte des non-linéarités qui sont importantes et, de plus, on suppose que la machine comporte des enroulements de compensation, commutation qui rendent ce champ indépendant des courants rotoriques. En fait, on fait passer dans ces enroulements de compensation, commutation un courant tel qu'il crée un champ annulant le champ induit au niveau des balais. Ce courant est le courant passant dans l'enroulement d'armature car le champ de commutation doit varier de la même manière que le champ induit. Parenthèse fermante. Au rotor. D'autre part on a deux équations électromécaniques. La force contre-électromotrice E. Où oméga correspond à la vitesse de rotation, ou pulsation, en rad, S relié à la fréquence, nombre de tours par seconde, par la relation F égale frac oméga. Le couple électromécanique, moteur ou résistant R. On peut montrer que c'est la même constante K, qui intervient dans les deux relations précédentes ce qui implique. Oméga ou puissance électrique utile, égale, puissance mécanique. Descriptif du fonctionnement. Imaginons une machine électrique alimentée par une source de tension constante. Lorsque le moteur tourne à vide, il ne fait pas d'effort, il n'y a pas besoin de fournir de couple, est très faible la vitesse de rotation est proportionnelle. Fonctionnement en moteur. Lorsque l'on veut la faire travailler, en appliquant un couple résistant sur son axe, cela la freine donc diminue. Comme reste constante, le produit augmente, donc le couple augmente lui aussi et lutte contre la diminution de vitesse, c'est un couple moteur. Plus on le freine, plus le courant augmente pour lutter contre la diminution de vitesse. C'est pourquoi les moteurs à courant continu peuvent griller, lorsque le rotor est bloqué, si le courant de la source n'est pas limité à une valeur correcte. Fonctionnement en génératrice. Si une source d'énergie mécanique essaie d'augmenter la vitesse de machine, la charge est entraînante, ascenseur par exemple, oméga augmente donc E augmente. Comme, reste constante, le produit R devient négatif et augmente en valeur absolue, donc. Augmente, donc le couple. Augmente lui aussi et lutte contre l'augmentation de vitesse, c'est un couple frein. Le signe du courant ayant changé, le signe de la puissance consommée change lui aussi. La machine consomme une puissance négative, donc elle fournit de la puissance au circuit. Elle est devenue génératrice. Ces deux modes de fonctionnement existent pour les deux sens de rotation de la machine. Celle-ci pouvant passer sans discontinuité d'un sens de rotation ou de couple à l'autre. On dit alors qu'elle fonctionne dans les quatre cadrans du plan couple-vitesse. Il s'agit d'un convertisseur électromécanique permettant la conversion bidirectionnelle d'énergie entre une installation électrique parcourue par un courant continu et un dispositif mécanique, selon la source d'énergie.
Cependant, la machine à courant continu étant réversible et susceptible de se comporter soit en moteur, soit en générateur, dans les quatre cadrans du plan couple vitesse, la distinction moteur-générateur se fait communément par rapport à l'usage final de la machine. Inventé par Zenob Gramme et présenté à l'Académie des sciences, à Paris, en 1871, c'était au départ un simple générateur de courant continu, pour applications galvanoplastiques, par exemple, les accumulateurs étant onéreux. Animation de la machine à courant continu. Machine de base ou machine à excitation indépendante. Une machine électrique à courant continu est constituée d'un stator qui est à l'origine de la circulation d'un flux magnétique longitudinal fixe créé soit par des enroulements statoriques, bobinage, soit par des aimants permanents. Il est aussi appelé « inducteur » en référence au fonctionnement en génératrice de cette machine. D'un rotor bobiné relié à un collecteur rotatif inversant la polarité de chaque enroulement rotorique au moins une fois par tour de façon à faire circuler un flux magnétique transversal en quadrature avec le flux statorique.